Tout le monde est conscient de cette réalité. Or, celui qui ne croit pas à la sorcellerie, c'est que lui-même peut-être qu'il est sorcier. Or, peut-être que si tu ne connais pas, il faut te taire. Et écouter ceux qui maîtrisent la chose. Si tu les combats, c'est que toi-même tu es un avocat du diable. Parce que le diable existe. Le diable, il existe. Or, tout ce qui a un nom existe. Si on vous dit la sorcellerie, c'est parce que ça existe que ça a un nom. C'est parce que ça existe que ça a un nom. Or, la définition de la sorcellerie veut dire celui qui lance un mauvais sort. Ils sont animés, habités par un vilain démon. Et ce démon ne fait que détruire. Et ce qui est encore triste, c'est qu'il y a des crimes spirituels. Ils tuent. La sorcellerie est plus dangereuse que le cancer, même d'Ebola. Un sorcier, chaque mois, il va tuer quelqu'un. Vous comprenez? Donc d'ailleurs, dans l'année, déjà un sorcier a tué 12 personnes. Maintenant, il y a les différents grades. Je vais l'occasion de vous expliquer dans mon livre. Quand on atteint le niveau 3, on n'a pas encore atteint le niveau 2. Quand on atteint le niveau 2, 3 de la sorcellerie, chaque mois, tu dois donner 5 personnes. Oui, tout ça, c'est pas besoin de croire les gens de ta famille. La sorcellerie, ça n'arrive pas à la famille. Hein. Non, c'est une science, la sorcellerie. Elle est aussi évolutive. De toute façon, aujourd'hui, on peut donner des messages par les vidéos, par Bluetooth. De toute façon, aujourd'hui, si en vente, il disait aux gens que tu allais avoir un téléphone portable de Paris, on allait t'appeler à Zaroko en 80 ou en 82, en 90, tu allais gifler la personne. Tu dis, mais tu mens. Et pourtant, c'est une vérité. C'est une vérité. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a un téléphone portable. C'est comme ça la sorcellerie évolutive. Eux étudient aussi. Ils changent de stratégie. C'est ce qu'ils sont délivrés aux gens. Vous avez attaqué un de feu. Le diable n'a plus à faire au feu. Tu dis feu, feu, mais il a son anti-feu et puis il t'embrasse. Et tu lèves le matin, tes lèvres sont enflées. Ou bien il touche ta nuit, tu vois, furon sur ta nuit. Amen. Il y a beaucoup de choses à vous enseigner comme action prophétique. Alléluia. C'est des actions qu'ils ne maîtrisent pas. Sinon, il prend le temps de t'étudier. Ah, lui, il met le feu, puis il étudie, puis il attaque. C'est pour ça qu'il faut armer le corps de Christ. Oui, il faut armer le corps de Christ. C'est ça qu'il dit aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Il faut une réforme dans nos systèmes de combat. Nous sommes toujours sur les mêmes choses. Or, le diable nous étudie. La stratégie de Satan aujourd'hui, c'est de déstabiliser les églises. La preuve, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont sorciers. Il y a aussi beaucoup de fidèles qui sont sorciers. Leur stratégie, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Or, c'est ce qu'il dit au pasteur. Il faudrait que nous nous rassemblions pour réfléchir comment attaquer le diable. Et non pas le sujet. Ça doit nous intéresser. Que nous voulons ou pas, Satan reste Satan et notre adversaire. Que nous voulons ou pas, Satan reste notre adversaire. Lui, il est uni, nous est uni. Oh, mais on parle peu de lui. Donc non, c'est pas possible d'ignorer Satan. Il est toujours dans notre vie. En train de nous combattre. C'est notre adversaire, le diable. Il est notre adversaire. Amen. Amen. C'est ce que je disais à mes collègues pasteurs de la Côte d'Ivoire. Ça m'intéresse pas quand vous parlez de valeur en Israël. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité, son tombeau est vide. Oui, je crois à ça. Ça m'intéresse pas, je n'ai pas de sainte priorité. La priorité, c'est de comment délivrer nos fidèles. Amen. En tant que pasteur, nous sommes bergers. Dieu nous a établis sur des personnes. Nos églises sont vides. Nos bien-aimés n'arrivent plus à se marier. Nos bien-aimés n'arrivent plus à aller de l'avant. La vie de ces personnes qui fréquentent nos églises ne témoigne pas de la grandeur de Dieu. Et ça ne nous interpelle pas. Amen. D'autres femmes, filles, elles ont master en célibat. D'autres ont doctorat. En divorce. D'autres ont eu doctorat en divorce. Un divorce, quand il y a eu doctorat dans ça. Tellement qu'on le divorce.